tout de suite, parlons de Vincent Lambert. Ça fait débat, faut-il autoriser l'aide à mourir pour les personnes atteintes d'une maladie incurable ? Marion Brouck est avec nous, infirmière en unité de soins palliatifs à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Marion Brouck, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, réfléchissons. Et surtout, donnons les dernières informations concernant Vincent Lambert. Le protocole d'arrêt des soins doit commencer aujourd'hui ou demain. Ça veut dire quoi exactement, Mathieu Rouault ? C'est extrêmement encadré par les lois de bioéthique, par la loi Claeys-Leonetti. Les médecins vont commencer par administrer des sédatifs et des antalgiques pour faire en sorte que le patient ne soit pas conscient et qu'il n'y ait pas de douleur. Ensuite, ils arrêteront les machines qui permettent son hydratation et son alimentation. Le décès devrait intervenir dans les 2 à 4 jours. Peut-être plus, tout dépend du taux d'hydratation qui sera conservé pour la sédation. Dans la plupart des cas, le patient décède d'un arrêt cardiaque, le cœur s'arrête. Jusqu'au dernier instant, des soins d'hygiène, de confort, de présence sont prodigués. Massage pour éviter les escarres, rafraîchissement pour éviter la bouche sèche et vigilance autour d'éventuelles douleurs. On ne le laisse pas mourir de faim, Marion Brouck. Tout à fait, donc je pense qu'il est vraiment primordial de bien nommer les choses pour éviter d'ajouter de la confusion au débat et notamment ce que vient de rappeler... Mathieu Rouault, c'est qu'il ne faut... Ah, il faut que les médias arrêtent de parler d'arrêt des soins. En aucun cas, on va arrêter les soins, on va arrêter les traitements de maintien artificiel en vie, que sont l'hydratation et la nutrition artificielle. Oui. Donc, effectivement, on parle aussi, enfin, dans les médias, beaucoup de l'arrêt de l'alimentation. Oui. Vincent Lambert, qui est en état de conscience altéré, en état chronique de conscience altérée, est absolument incapable de se nourrir par lui-même. Donc, en fait, il reçoit une nutrition artificielle. Donc, on n'arrête pas d'alimenter quelqu'un, on arrête un traitement de maintien artificiel en vie, qui est la nutrition artificielle. Bien, restez avec nous, Marion Brouck, il est 8h13. À tout de suite, je vois Corinne qui veut intervenir. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte. RMC, ça fait débat. Chloé Cambrelin en parlait dans son journal. François-Xavier Bellamy dit que le président de la République devrait intervenir, donner son sentiment. Réplique immédiate de Jean Leonetti qui estime que renvoyer la balle vers l'Élysée, c'est donner au président beaucoup plus de pouvoir qu'il n'a. Et il rappelle que Jacques Chirac lui-même n'avait pas répondu à Vincent Humbert qui avait demandé à Jacques Chirac le droit de mourir. Ce n'est pas le rôle du président de la République. Jean Leonetti, qui n'est pas du tout d'accord avec François-Xavier Bellamy, ils sont pourtant dans le même parti. Jean Leonetti, qui est le co-auteur de la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais autorise l'arrêt des traitements en cas d'obstination déraisonnable. Ça veut dire quoi, obstination déraisonnable, Marion Brouck ? C'est ce qu'on, vulgairement, dans le langage commun, on appelle l'acharnement thérapeutique. Oui. En fait, c'est quand un traitement n'a pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. On peut résumer les choses comme ça. Donc, en l'occurrence, chez M. Vincent Lambert, on est dans un traitement de maintien artificiel de la vie. Donc on peut être dans obstination déraisonnable. Oui. Tout à fait. Oui, donc la loi permet... La loi permet ce qui va se passer. Ouais, tout à fait, parce que la loi interdit, depuis 2016, ça a été réaffirmé dans la loi de 2016, elle interdit l'obstination déraisonnable très clairement. Donc en l'occurrence, pour le cas de monsieur... Donc la loi Claeys-Leonetti permet la mise en place de la sédation profonde et continue, qui permet une aide à mourir dans des conditions précises. C'est bien cela ? Tout à fait. C'est bien cela. C'est une loi bien conçue, mais vous dites qu'elle n'est pas appliquée.
Alors malheureusement, c'est une loi qui répond à une double angoisse sociétale que sont donc deux angoisses très importantes des Français, que sont la peur de mourir dans des souffrances insupportables d'une part, et d'autre part la peur d'être victime d'acharnement thérapeutique. Et sur le terrain, on se rend compte que les patients sont victimes d'acharnement thérapeutique alors que la loi l'interdit, et on se rend compte aussi qu'ils sont pas correctement pris en charge, et notamment au niveau de la douleur. Donc la loi, elle est pas correctement appliquée par manque de formation, tout simplement, du corps médical et paramédical. Vous dites 50% des patients cancéreux reçoivent des chimiothérapies dans les 15 derniers jours de la vie, alors que l'on sait pertinemment que le pronostic est engagé à court terme. C'est une aberration. C'est une aberration. Alors, c'est une aberration parce que ça a un coût humain déjà. Enfin, c'est absolument maltraitant de recevoir une chimiothérapie. C'est un traitement extrêmement lourd dans les 15 derniers jours de la vie. Mais au-delà de cette maltraitance que représentent ces traitements lourds, il y a un coût aussi sociétal. Ça a un coût très important. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que tout cet argent qui est investi dans l'acharnement thérapeutique soit remis au bon endroit, c'est-à-dire dans la formation pour pouvoir accompagner correctement les patients. Oui, chaque année en France, on arrête des traitements de maintien en vie pour 100 000 patients. Environ. Alors les chiffres sont pas, pas précis, mais effectivement, ça concerne beaucoup de patients. C'est ce qu'on fait au quotidien dans nos unités de soins palliatifs. On fait des décisions collégiales qui nous permettent d'arrêter des traitements de maintien artificiel en vie. Et donc, ça représente, entre 50 000 et 100 000 patients par an, pour qui ça pose pas les mêmes problèmes que pour Monsieur Vincent Lambert. Corinne, Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Bonjour, Corinne. Bonjour, Monsieur Bourdin. Corinne, que vouliez-vous dire? Bah écoutez, moi je voulais juste dire qu'il y a un an de ça, exactement aujourd'hui, j'emmenais mon mari à l'hôpital aux urgences. Oui. Et 3 heures après, on me dit qu'on va le plonger dans le coma artificiel et qu'il ne passera peut-être pas la nuit. Oui. Or, mon mari s'est battu 10 jours. Oui. 10 jours sur Valenciennes, presque 8 jours ensuite sur Lille, puisqu'il a été emmené par hélicoptère sur Lille. Oui. Et le 31 mai, exactement, on m'a dit, madame, on nous a convoqués, mon beau-frère et moi, et ainsi que des enfants. Ils étaient 7 médecins à Lille. Et on nous a dit, madame, on ne vous demandera pas votre choix. On arrête. Oui. Je n'ai pas eu le choix, monsieur Bourdin. On a débranché mon mari le lendemain. Et je m'en veux encore aujourd'hui. Maintenant, je ne veux pas prendre parti. Je ne dis pas qu'il fallait le débrancher, Le débrancher. C'est une décision. Je suis également catholique. Mais c'est très dur. Peut-être que je n'aurais pas su prendre la décision. Peut-être ont-ils bien agi. Mais on ne m'a pas laissé le choix. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'on ne m'a pas laissé le choix. Est-ce qu'on laisse le choix? Vous voyez, Corinne dit on ne m'a pas laissé le choix. Alors c'est extrêmement difficile d'intervenir comme ça sur une situation dont on n'a pas les tenants et les aboutissants. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais on ne va pas généraliser. Ce n'est pas aux familles de prendre la décision finale, c'est bien à l'équipe médicale de prendre une décision médicale en se concertant avec la famille, en essayant de recueillir le maximum d'informations sur ce qu'aurait souhaité le patient quand il était en capacité de s'exprimer. Mais ce n'est pas à la famille que revient la décision médicale, bien évidemment. Vous imaginez le poids que ça représente pour une famille que de... Bien sûr. D'avoir cette décision. Merci Marion Brooke d'être venue nous voir. Ça fait réagir évidemment, ça vous fait réagir. Ben bien sûr, il est 8h20, vous êtes sur RMC. Merci, à tout de suite avec Charles Magnin, Président.